bienvenue dans cette nouvelle semaine. On est jeudi, donc la semaine est quand même déjà bien avancée. J'ai pas eu le temps de vous prendre face caméra parce que. Parce que c'est la vie. Du coup, je prends le temps de vous prendre là un peu. C'est le bazar. On va être poli, c'est le bazar. J'en ai partout. Il est pas tôt, il est 9h passées. Et en fait, j'ai repris le yoga un peu là. Mais juste en étirement. Et un peu de muscu, je me suis acheté un élastique. Faut pas mettre le doigt dans l'œil. C'est pas bien ça. Je me suis donc acheté un élastique pour essayer. Enfin, il faut que je me muscle le dos en fait. Donc je vous l'avais dit. Oui, je vous l'ai dit. J'ai débuté une prise en charge kiné. Bon, mes cheveux, c'est n'importe quoi. Et j'y suis allée pour une lombalgie parce que j'ai un disque écrasé. Et pour ce que je pensais être une tendinite. Je sais plus si je vous l'ai dit. Non, mais en même temps, je vous ai pas pris face caméra toute la semaine dernière. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que j'ai jamais eu autant de pouces en bas sur mes vidéos que là. Je sais pas, apparemment, vous aimez pas quand je parle pas. Vous aimez bien m'entendre, en fait. Écoutez mes bêtises. Donc, du coup, je vais dire des bêtises puisque vous aimez ça. Voilà, voilà. Oui, donc, j'ai pas une tendinite. On a un nerf qui passe là, qui passe dans une gouttière ici, et qui remonte, machin. Et en fait, il est abîmé. Et donc, on tente une rééducation avec le kiné pour éviter l'opération. Parce qu'avant, ça s'opérait systématiquement, mais maintenant, on a des techniques de kiné qui s'approchent entre l'ostéopathie et la musculation, en fait. Les étirements de yoga, tout ça. Là, j'ai vu dans une vidéo d'étirements que j'ai faite, des étirements que mon kiné me fait faire. Donc voilà, parce que les semaines, n'étaient pas assez chargées. Et maintenant, il faut que je passe 2 séances par semaine chez le kiné en plus. Et on ne fait pas le dos pour le moment parce que une chose à la fois. Et en fait, en ce moment, j'ai très, très, très mal à ce nerf. Et du coup, j'essaye d'alterner. Hier, j'ai fait beaucoup d'ordinateurs pour faire la mise en ligne post-Wooland. Vous êtes en zoom. Oh, ça se trouve, vous voyez mon nez en gros depuis tout à l'heure. C'est pas un cadeau, hein. Et du coup, je disais que j'ai fait pas mal de mises en ligne hier. Ce qui fait qu'en fait, hier soir, je pouvais plus rien faire avec mon bras, quoi. Ça me lançait. Et en fait, ce nerf-là, c'est celui qui est responsable de la pince de ces deux doigts-là. Et ce qui fait que j'ai des fourmis, des vagues de froid dans les mains, c'est pas très très agréable. Enfin, dans ces deux doigts-là. Donc, je suis devenue quelqu'un d'assidu. Je fais les exercices que le kiné m'a donné. J'essaye vraiment de faire une bonne remise en forme parce que, j'ai les muscles profonds du dos qui sont atteints. Ce qui fait que mes muscles profonds qui sont censés être là pour le postural et me permettre de me tenir droite, de soulever des charges lourdes, tout ça, ils ne font pas le job. Et du coup, ce sont les muscles de mouvement qui font le job à la place. Mais du coup, les muscles de mouvement, ils ne sont pas faits pour ça. Donc, ils se contractent, ils s'abîment et c'est le bazar, du coup. Et paf, ça fait des chocs à pic. Donc, du coup, histoire de ne pas finir comme une petite vieille qui ne saura plus rien faire de son corps, tellement elle aura mal partout, j'essaye vraiment de prendre soin de mon corps et d'essayer de remettre un peu tout ça sur les bonnes rails. Alors, je vous retrouve, en fait, ça a coupé de manière tout à fait impromptue. J'avais plus de batterie. Et puis, comme du coup, j'ai une batterie de rechange, elle n'était pas chargée, la base. D'ailleurs, je dis ça, je la tiens et je la mets pas rechargée. Donc, je vais la mettre à recharger tout de suite, celle-là.
faut aujourd'hui que je termine l'inventaire. Ouais, je pense que je pourrais peut-être le terminer. J'espère que je ne suis pas trop. Il faut que je fasse les pompons. Hop, donc je vais mettre tout ça. Mon petit panier de chaton. Ce chien. Voilà, c'est. Comprendront ceux qui comprendront. Tac, je vais mettre ça là pour le moment. Et donc, il faudrait que je prenne. Parce qu'en fait, je suis un peu à la bourse ce matin. Alors, attendez. Voilà, je pense que niveau cadrage, on n'est pas trop mal. J'ai fait pire. J'ai oublié de vous ramener un truc pour vous montrer, c'est pas grave, je vais essayer de le faire après. J'étais en train de dire qu'il faut que je fasse l'inventaire. Donc hier, j'ai fait une fiche produit pour avoir les kits de bonnet Lunaria. Encore les pompons, toujours les pompons. Ah, je me baignerais dans une baignoire de bonbons et de bonbons. J'aime pas les bonbons en plus. De pompons et de petites boulettes de laine comme ça. J'aime bien. Et du coup, il faut que je rajoute à cette fameuse fiche produit les photos. Et en fait, je vous explique dans le descriptif de la fiche produit que pour faire le bonnet qui est... qui est celui-ci, que pour faire ce bonnet, donc ça c'était la version enfant, enfant plus je crois, oui c'est ça, ado, adulte faible profondeur, enfin bref, moi mon préféré c'est celui-là avec le coloris rhodonite, je sais pas si ça me... J'aime beaucoup cette couleur. Et donc, je vous explique qu'il faut un coloris principal en 50 grammes, un coloris contrastant, décidément, aujourd'hui c'est pas ça, en 20 grammes, qui sont... Alors attendez, en dessous. Oui, je ne vous ai pas dit, j'ai trouvé l'autre jour, je suis allée à Noz. Et en fait, j'ai trouvé des bacs gastro. Alors pour ceux qui ne savent pas, les bacs gastro, c'est ce qu'on utilise pour mettre dans les fours vapeur ou dans les fours tout court en hôtel et restauration, en cuisine. Et donc, alors là, ils ne sont pas de qualité folle, mais pour moi, c'est largement suffisant pour faire des laines à speckles. Et du coup, 3 ou 4 euros le bac gastro. Normalement, ça coûte une fortune, ce truc-là. Et du coup, je suis super contente. Bref. Le 20 grammes en contrastant principal. Et après, il faut deux contrastants. Vous pouvez non prendre qu'un seul. Après, bon, c'est vous qui choisissez. En boulette. On va essayer de prendre les couleurs qui aillent ensemble, histoire de vous donner un minimum envie de... Voilà. Non, ça sera trop fondu, ça. Hop. Voilà. Et donc, vous avez les prix pour chaque pelote. Donc, c'est toujours 11 euros le kit. Mais quand vous validez la pelote de 50 grammes, ça, 5 ou 6, c'est 6, 3, 1, 1, 1. Normalement. Bref, vous avez tout le descriptif en fait. J'ai réussi à faire ça, je suis super contente. Et du coup, vous pouvez choisir, par exemple, vous cliquez sur 50 grammes et en dessous, vous avez des pastilles avec toutes les couleurs que je vous propose, avec les bases. Donc, il y a la base normale où j'ai juste mis les noms des coloris et la base bisée du massif central où là, par contre, j'ai rajouté un B derrière. Et je vais donc pouvoir connecter chaque image de chaque coloris, chaque image à chaque coloris, pardon. Et à chaque grammage, parce que du coup, je vous raconte pas, j'ai mis plus de 2 heures à faire cette fiche produit. C'est un peu compliqué de se dire, bah voilà, pour avoir ça, il faut que je mette ça en place, machin, l'histoire des poids, des couleurs différentes, et que tout s'imbrique après.
Sachant qu'avant, on avait une limite, on ne pouvait pas mettre plus de 10 options, je crois, par truc. Et là, ça y est, on n'a plus de limite. En fait, ils ont pas mal mis à jour, là, le... Donc, pour ceux qui ne savent pas, je passe par Wix. Ils ont mis pas mal de fonctionnalités à jour, et ce qui permet de faire plus de choses qu'avant, et de manière plus intuitive. Donc, j'ai repris aussi le menu. Vous avez pu maintenant le menu boutique avec les laines, les merceries, machin et tout. Vous avez dans le bandeau l'accueil avec le à propos, comment contacter, les laines et toutes les laines, machin. La mercerie, où vous aurez après bah, tous les boutons, les coupe-fil, les marqueurs et tout. Et après l'onglet blog, ce qui permet, voilà, visuellement, quand vous arrivez sur le site internet, vous dire bah, je veux de la mercerie, je vais là. Ça permet de ne pas chercher 3 heures pour trouver. Enfin, moi en tout cas, je trouve ça mieux. Peut-être que vous allez me dire non, mais c'était mieux avant. Et puis je laisserai comme ça, je referai pas comme avant, ça prend trop de temps. Bref, donc il faut que je fasse ça aujourd'hui. Et autant vous dire que j'ai toutes ces petites boulettes là. Chute de boulettes. À photographier. J'en ai pour un certain temps. Je pense faire les photos aujourd'hui et faire la mise en ligne. Enfin, parce qu'il faut que je fasse les retouches photos pour être sûr que les photos soient le plus fidèles possible aux coloris réels. Toujours avec la mesure de, on a tous des écrans différents, machin et tout. Ce que je vois sur mon écran, ça sera pas ce que vous allez voir sur le vôtre. Ça, maintenant, je pense que c'est acté, à peu près tout le monde le sait. Ouais, donc ça prend du temps. Je suis désolée, en ce moment j'ai la tête qui est un peu partout et j'ai du mal à me concentrer sur une. En parallèle, il faut aussi que je pèse tous mes petits restes pour terminer le test. Donc ça, tout est prêt, j'ai ma petite balance de précision, tout va bien. J'avais dit quoi? Oui, je voudrais commencer soit la poupée renard de Ludivine, rose et balle de laine dans la collection Woodland, pour ma fille, pour ma grande, pour son calendrier de l'Avent. Soit je commence pour ma nièce, enfin une de mes nièces, puisque je n'ai que des filles. Désolée. Désolée pour le bruit. On a que des nénettes chez nous. Et donc pour la plus petite, je voudrais lui commencer. Elle a vu une peluche au crochet lapin que j'avais fait à Ellie il y a un petit moment. Et donc elle a flashé dessus. Donc je vais lui faire ça pour Noël. Je vais faire un champignon pour ma paupiette. J'ai les petits marque-pages. Ça, c'est mon petit panier. J'ai les chaussettes. Il faut que je coupe. Ils sont tous rentrés. Il faut que je coupe. D'ailleurs, je vais le sortir tout de suite. Les fils. J'ai trouvé ça pour mettre dans le calendrier de l'Avent pour les filles. À action, des petites palettes comme ça, chacune la sienne. Et je pense que du coup, j'essaierai de trouver des petits stickers pour que chacune personnalise sa petite boîte. J'ai une oreille qui siffle. Oh, c'est qui parle de moi? J'ai ça à teindre. C'est de la Merino pour la box bagnodée avec les marmottes. Parce qu'en fait, j'étais censée aller à la filature cette semaine. D'ailleurs, pour ceux qui sont venus au festival et à qui j'ai dit je vais dans la filature dans 2 semaines et tout, je suis désolée, il y aura du retard parce qu'en fait, une machine de la filature est en panne. Donc, il n'a pas pu faire ce qui devait être fait. Et du coup, ça devait partir pour une commande plus tard. Mais bah, je vais la faire passer dans les teintures pour la box. J'ai envoyé déjà ce que j'ai là à Mélise pour qu'elle puisse commencer à vous expédier et qu'on ne prenne pas trop de retard. Parce que alors, moi, ça me... Elle m'a dit, Mélise, elle dit, t'embête pas, te mets pas dans tous tes états. C'est trop tard. J'ai l'air comme ça, quelqu'un vachement joyeuse et tout. En vrai,
Je suis toute stressée à l'intérieur. D'ailleurs, mon kiné, là, quand il a fait les trapèzes, il m'a dit, détendez-vous. Oui, je suis détendue. Ah, il dit, bon, ça va être un petit peu long la rééducation, Madame Rubelletti. Ben oui, mais bon, hein. Voilà, quand on est quelqu'un qui prend tout à cœur et qui dit rien, et qui, voilà, ça fait des nœuds partout, partout, partout. Donc, je voudrais vraiment faire ça, je pense demain. Aujourd'hui, ça va être trop juste. J'ai mal au dos, donc là, je pense que porter les bassines aujourd'hui, c'est pas recommandé. Et demain matin, je vais chez le kiné. Donc, je pense que s'il me débloque un petit peu encore plus tout ça, je pourrais bosser. Je vais mettre ça à tremper. Pas la trompette! Pas la trompette! Pour ceux qui connaissent, qui veut la peau de rougir vite. Bref. Du coup, voilà, je vais mettre ça à tremper cet après-midi quand même. J'aimerais pouvoir teindre pour envoyer ça à Mélise la semaine prochaine. Je voudrais. Oh, je veux faire plein de choses, j'ai pas le temps de tout faire. Puis là, ce matin, ça a été paperasse administrative encore. Là, c'est hyper chronophage, ça me fatigue de faire ces trucs-là. Mais bon, faut le faire, il n'y a pas le choix. Surtout quand la CAF vous réclame 400 euros, il faut leur rendre parce qu'après ils débarquent chez vous. Faut pas rigoler avec la CAF. Donc j'ai pas mal de trucs. Et donc oui, c'est ça. Je vais aller chercher. Je vais vous montrer qui t'es en mode blabla. Je vais chercher ça. J'arrive. Alors, je disais tout à l'heure que avec tout qui est foutu de là à de là, vous voyez pas, mais c'est mon sacrum. Bah du coup, il faut que je trouve des activités qui changent un petit peu au niveau du mouvement, tout ça, qui me sollicitent un petit peu moins. Sachant que rester en inactivité, c'est pire que tout. Et puis de toute manière, je ne saurais pas faire. Et donc, je vous ai montré dans le vlog la semaine dernière que ma maman m'avait ramené mon. Alors j'avais mon carreau d'apprentissage déjà, elle me l'avait donné il y a un petit moment. Hop. Donc mon carreau d'apprentissage, c'est mes parents qui nous faisaient nos carreaux. Et en fait, quand on allait. Ah, c'est pas le mien! Oh Agnès, c'est ton carreau. C'est écrit derrière. Oh là là, maman! Bah non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que tu vous foutais? Bref, c'est mes parents qui nous faisaient nos carreaux. On a appris la dentelle au fuseau avec mes sœurs quand on allait en vacances en Auvergne, juste à côté de là où j'habite maintenant, à Superbès. Et donc, voilà, ma mère faisait de la dentelle, elle avait appris elle-même à faire de la dentelle, elle nous a appris. Et on avait les cahiers d'apprentissage avec les petites cartonnettes comme ça, donc c'était des exercices à faire. Du coup, j'ai récupéré le carreau d'une de mes sœurs. Non, en soi, ils étaient tous pareils, hein. Les trois étaient les mêmes. Hein. C'était absolument pas un problème. Et donc, elle m'a ramené l'autre jour mon deuxième carreau, qui est le level up, le masterclass du carreau d'apprentissage, qui est mon petit carreau avec pour faire des frises. Et ça tourne. C'est bon, ça tourne. Je suis dégoûtée parce qu'en fait j'avais une petite tête en verre soufflé. Ah bah voilà. Et en fait elle est cassée. Elle a dû se casser dans un des nombreux déménagements. On avait une petite. Je sais plus ce que c'était par contre, je ne me rappelle pas. Et dessus, c'était. On avait fait avec ma maman des habillages pour boules de Noël en dentelle avec un fil Lurex. Est-ce que vous allez voir? Mise au point. Mise au point. Ah, ça fait un peu mal à bout de bras comme ça. Bon, il veut pas faire la mise au point. Je suis désolée, je peux pas tenir à bout de bras comme ça, c'est pas possible. C'est lourd. Il faut juste, je pense que je vais le déshabiller parce que les petits clous ont rouillé et tout, et j'aimerais bien le refaire en fait, le nettoyer, le déshabiller, parce que mes parents ont beaucoup déménagé ces dernières années et ça a un peu souffert du déménagement, mais il suffit juste que je le déshabille, que je le nettoie, quitte à refaire le tissu. Il est trop chouette ce tissu. Donc bref, du coup, la fille, eh ben, elle s'est dit, bah, pourquoi tu referais pas de la dentelle au fuseau? Parce que, comme dirait mon homme, t'as pas assez de choses à faire. T'as déjà tellement de temps qu'il faut que tu te trouves une activité pour occuper le temps. Voilà, pour tuer le temps. C'est normal.
pas chercher. Alors c'est une envie, ça veut dire que ça se trouve, je vais monter le projet et puis je vais pas y toucher. Et puis. Mais tu fais que des bêtises aujourd'hui. Et donc, j'ai cherché sur les internets parce que ma maman, elle m'a dit, on est en train de, ils arrêtent la boutique à Loche, on déménage la boutique, j'ai pas trop le temps de regarder, mais regarde sur Pinterest, il y a peut-être des cartons gratuits. Et donc j'ai trouvé le carton d'un petit chat. Alors il n'y a pas 15 milliards de cartons de dentelle en même temps, la dentelle au faisant, on va pas se mentir, c'est pas le c'est pas l'activité la plus répandue et la plus glamour de la Terre, donc forcément c'est plus difficile de trouver des modèles. Donc un petit chat pour ma grande, un petit lapin pour ma mini. Et moi je me suis trouvé une sorcière mais que j'ai agrandie parce qu'en fait là c'est trop petit. C'est trop petit pour moi ça, il ne peut pas faire. Sachant que la sorcière j'aimerais vraiment la faire, mais... Voilà voilà. Et du coup, je vais donc commencer par quelque chose de simple, nous verrons, parce que faut que je... Alors je me souviens comment on fait, mais il faut que je retrouve la technique, le geste. Voilà. Enfin, je m'y étais remis, c'était à l'appartement, oh là, c'était avant que ma grande elle naisse, il y a 12 ans je crois. Et je crois que c'est à ce moment-là que ma maman m'avait redonné mon carreau le carreau d'apprentissage qui n'est pas le mien. Oh, je plaisante en vrai, vous allez vraiment croire. Bon bref, donc il faut que je plastifie ça, que je prépare mes fuseaux. Alors mes fuseaux, ma boîte est là-bas. Et en fait j'hésite parce que comme c'est sympa de se mettre un peu de difficulté, on aime bien se mettre des bâtons dans les roues, dans la famille on est un peu comme ça. Tu commences par un truc, tu commences par du tricot, bah, tu fais un pull en jacquard. Voilà. Et donc j'ai de la soie, des soies de Marie quand elle faisait ses tests en teinture, donc c'est une teinture noire donc qui n'est pas naturelle puisque dans la nature on ne peut pas obtenir du noir. Et je me dis que j'aurais bien fait avec la soie noire, sauf que la soie ça glisse énormément, on passe son temps à remettre ses fuseaux et tout. Donc je ne sais pas si c'est l'idée du siècle. Sinon, maman m'avait donné, alors elle m'a mis avec, avec ma belle boîte à fuseaux. On avait trouvé en brocante il y a des années avec elle. Et donc, elle m'avait mis ça, mais c'est très très fin ça. Retors d'Alsace DMC30. Et ça, c'est extrêmement fin. Et je pense que ça sera trop fin pour ce que je veux faire. Allez. Moi, décidément, hein. C'est la journée. C'est pas la journée de la mise au point, hein. Sachant que j'ai aussi des bobines, oh, elles sont toutes aussi fines, j'ai des bobines comme ça. Oh ce verre, qu'est-ce que j'ai pu faire comme truc avec ce verre. Donc on va voir, il faudrait que je me fasse une petite trousse pour les outils. Ça c'est pour enfoncer les épingles et ça c'est pour les ressortir, petit crochet pour ressortir les épingles. Et elle m'a mis, ah j'ai deux fuseaux comme ça, il faudrait que je vois avec elle. Si je peux lui piquer d'autres fuseaux. Ceux-là, je les aime bien. Les autres, les fuseaux d'apprentissage, ils sont chouettes parce que moi, ce que j'aime bien dedans, c'est qu'ils sont tous différents. Ils ont tous des petites... des petits accros, des petits nœuds, des machins. J'aime bien ça. Sauf qu'ils sont, ils sont gros et au niveau de la prise en main, c'est moins fluide. Donc, je vais voir si je peux racketter maman de quelques fuseaux à l'occasion quand ils viendront. Et je me disais, mais ma bonne dame, vous avez du fil d'Aubusson. Mais ma bonne dame, à ce qui paraît, vous êtes teinturière indépendante. Donc, si j'arrive, le problème c'est qu'il faut que je dévide mes écheveaux pour faire des mini écheveaux pour les teindre. Et ça, ça va prendre un peu de temps. Parce que sinon, j'aurais bien teint. J'aurais bien, oui, teint pour faire du fil. Comme je voulais faire du fil à broder, mais qui servirait aussi de fil à dentelle. Voilà, voilà. Vous la voyez, la fille qui a 12 000 idées et pas du tout de temps pour les réaliser. Bah voilà, ça fait déjà pas mal de blabla. J'espère avoir contenté les pouces en bas de la dernière fois qu'il n'y avait pas de blabla. Et puis, je vous retrouve plus tard. Parce que là, il faut vraiment que j'avance la séance photo au moins. Et je peux pas...
Enfin, je peux pas vlogger ça parce qu'en fait j'ai besoin de cet appareil-là. Mais j'ai un téléphone à ce qui paraît. J'ai retrouvé le truc. Oh, j'ai reperdu le truc. Il est où le bitonio? Oh, vous savez le machin là pour tenir la pince à... Bon, je vais chercher. Mais avec un peu de chance, peut-être que sur un malentendu, je peux retrouver le truc que enfin, j'avais retrouvé et que j'ai reperdu. D'abord, je vais peser mes restes pour ma l'oreille. Allez, c'est parti. Alors, du coup, j'ai terminé de... Vous avez vu, chez moi, les choses sont hantées. Avec ça, coupe le son, s'il te plaît. Ouais. Je te surveille, hein. J'ai donc scotché, découpé mon patron. Je me suis mesurée. Et donc, ils disent de choisir la taille selon les hanches, puis d'élargir ou de réduire le patron à la taille si votre mesure diffère du tableau des mesures corporelles. Donc moi, j'ai hanche en S et la taille en XS. Voilà, c'est morphologie type bouteille d'Orangina. Donc, vu que c'est élastiqué, je me dis, sinon je le fais tout en S. Et puis au pire des cas, je resserre un peu plus élastique. Ce qui n'est pas terrible parce qu'après, sinon ça met trop de matière derrière. Je vais le faire tout en S. Et au pire des cas, si c'est trop grand, je viendrai retailler dans les marges de côté pour réajuster. On va faire ça. Ouh. Ouh, c'est raide. Donc, j'ai pris le tissu que j'avais acheté pour ce faire chez Dressenstoffen, qui est donc celui-ci, qui normalement devrait, ma foi... Ouh, tiens, une différence de teinte, il a décoloré. Qui, je pense, est plus que assez élastique. Et en fait, je me suis dit, mais... Si ça me plaît vraiment, si la coupe me va, je tente très bien de le faire dans celui-là. Oui, j'assumerai de le porter. Le problème, c'est avec quoi? Donc, on verra. Au début, je m'étais dit, sinon, une veste, ça serait sympa. J'ai un simili-cuir qui fait des fausses écailles blanches. Et au début, je m'étais dit, faire une veste style Bombers bimatière, ça aurait été sympa. Et du coup, ça irait bien avec. Vous voyez? Un pantalon soft et une veste vachement witch. Pas dans le sens witch, mais qui claque quoi. J'ai pas la. C'est pas très pratique comme ça. Donc je vais décalquer en taille S. Alors, ils disent quoi? Ils me disent. Donc c'est le Juniper pantalon cigarette de chez Studio Calico. Donc c'est un pantalon taille élastiquée avec une fausse braguette, coupe ajustée, plis serré, qui s'enfile facilement grâce à sa taille élastique au dos, réalisé dans un tissu extensible, blablabla. Niveau de difficulté, débutant, mercerie, aiguille universelle, fil tout usage et élastique souple de 4 mm.
On nous donne les mesures de l'élastique. Prévoyez un surplus pour les tissus à motif. Oui, si vous voulez faire un raccord, mais là, je ne suis point embêtée. Et donc, on dit 1m30 en taille S dans un lèse de 150 cm, ce qui me paraît plus que raisonnable. Je vous dirai combien j'ai utilisé. Moi, je vais essayer de regarder combien j'ai utilisé. Je vais mesurer combien j'ai de tissu et je ferai au prorata de ce qui me reste. Entoilage, donc je subodore que c'est pour la ceinture. Popeline légère et extensible, très certainement pour les fonds de poche. Alors, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on vous donne les mesures corporelles et les mesures du vêtement terminé avec l'aisance. Donc là, on vous dit que le vêtement comprend 5 cm d'aisance aux hanches. Et on vous donne la dimension terminée de la taille, des hanches, de la fourche et de l'entrejambe. Donc je trouve ça franchement très très complet. Enfin, je trouve ça vraiment bien. Oui, si vous hésitez entre taille préférée, celle du dessus, toujours. Alors, stature d'1m63. Donc je vais rajouter. Je fais 1m67. J'ai pas des grandes jambes. Moi, je suis tout en buste. J'ai pas des très grandes jambes. Mais au cas où, en même temps, ils disent entrejambe 69 cm. Ça va se vérifier tout de suite. Ça en est où cette histoire? Oui, bah, c'est comme le jean que j'ai actuellement. Donc, non, en fait, non, c'est bien. Je vais peut-être mettre 1 cm de plus au cas où. Mais a priori, on devrait être pas mal. Glossaire à la fin du document qui contient une liste des termes de couture utilisés pour ce projet ainsi que leur signification. Donc vous avez un petit glossaire à la fin, ce qui est très sympa aussi. Alors moi j'imprime quand il y a des patrons que des fois j'ai imprimé, je ne les ai pas fait, ou ça m'est arrivé d'imprimer des patrons en double parce que je ne me rappelais pas que je les avais déjà imprimés. Je réutilise, on garde tout, on ne jette rien. Impression, donc ça oui c'est bon, pièce du patron, ok, on a le plan de coupe avec dessus, okay. On a le plan de coupe avec dans des coloris différents, l'envers, l'endroit et l'entoilage, ce qui est très bien. Alors moi c'est un patron que j'ai payé 2€ sur Makerist, faudra que je regarde combien il coûte normalement. Et ensuite, on a un pas à pas avec des schémas, toujours avec les couleurs des pièces pour savoir quand on est sur l'envers, quand on est sur l'endroit. C'est bien marqué que les coutures... Alors, je l'ai vu, mais je l'ai vu où ? Surplus de couture inclus de 10 mm. Donc c'est bien inscrit, on vous le rappelle dans le pas à pas qu'il faut bien, indication contraire, piquer à 10 mm du bord. Et du coup, chaque étape a un numéro et chaque numéro a un petit schéma, c'est super. Et donc, j'avais encore jamais regardé Studio Calico, c'est ça. C'est ça, c'est écrit là. Eh bien, ma foi, c'est pas mal du tout. Hein. Quand ils disent débutant, je pense qu'effectivement, avec tout le pas à pas que vous avez, il est vraiment accessible. Je vais aller regarder les versions qui ont été faites. Donc, Calico Juniper hein, sur Instagram. Calico Juniper. Alors du coup j'avais pris aussi un petit tissu extensible pour le faire en version été, que je ferai l'année prochaine. Moi j'aurais bien été tentée quand même
remonter la taille et de faire du coup la taille en S. Et de faire vraiment une taille haute. Parce que là, ils disent la hauteur de la fourche pour ma taille, elle est de 30. Ça manque d'un schéma pour savoir où prendre les mesures. Parce qu'ils disent fourche 30,6. Enfin, si je prends à la fourche, à moins que ce soit à l'arrière, qu'on prenne la mesure et pas à l'avant. Et si c'est à l'arrière, bon, facile. Ben non, ça peut pas être à l'arrière. Parce que l'arrière, ça fait vraiment battre 1,6. Ah, quoi que. Ah, bah si, ça m'amène comme celui-là. Donc, a priori, si c'est ça, si je ne m'abuse, ça devrait m'amener un pantalon comme celui-ci. Comme ça. C'est vrai que moi, je l'aurais bien monté. À ma taille, en fait, à moi, elle est là. J'ai une taille qui est assez haute. Ouais. Moi. Sachant que j'ai pas envie de faire une toile. Donc je pense qu'en fait je vais mesurer directement sur le patron. Le patron il est où, il est là. Donc là on a le centre devant, il est là. Et donc le S c'est celui-ci. Un chat qui squatte la chambre. Ils sont pas discrets avec leurs clochettes. Je crois qu'ils ont vraiment l'impression d'être discrets, les chats, mais en fait ils se leurrent. Donc là la fourche elle est de 28 cm pour l'avant. Non, c'est pas mal. Plus la ceinture. Non, moi, je vais le garder comme ça. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. Allez, on décalque. On range. Enfin, on range. Pour le moment, ça, je n'en ai pas besoin. Et donc c'est parti pour décalquer le patron. Voilà, le pantalon est coupé. Il faut que j'aille chercher une doublure pour faire les deux poches. Et du coup, j'ai utilisé 1,20 m de tissu contre 1,30 m recommandé. Je trouve ça vraiment chouette. Pour une fois que ça ne soit pas gonflé, en fait. Je suis désolée pour la mouche. Oui, parce que souvent les patrons ils gonflent le métrage, que ce soit pour la laine, pour les tissus. Et là, 10 cm de marge pour les tissus qui potentiellement peuvent rétrécir au lavage, et ben je trouve ça très très bien de n'avoir que 10 cm et pas se retrouver avec 50 cm à avoir payé et qu'on ne sait pas quoi en faire, quoi. Donc je vais chercher ma doublure pour mes poches. Alors du coup, j'avais pas beaucoup de coton en suffisamment
grande quantité pour faire les poches. Donc j'ai repris celui-là qui est un tissu Mondial Tissu que j'avais acheté. On était encore à Rombo. On était encore en région centre. Donc ça a un certain temps. Oh, c'est au poil de. Je me dirais quoi. Oh là là. Oh ouais, je vais. Oh, voilà, je vais faire le sewing chicken. Le sew chicken. Bonjour, nous sommes vendredi 2 octobre, 3 octobre, oh, j'en sais rien du tout. Je suis absolument pas du tout au fait des dates en ce moment. Je vais juste, deux secondes, je sors du champ pour aller un peu ouvrir la fenêtre parce que il fait chaud dans l'atelier. Alors, il est 10h40, c'est très très intéressant. Aujourd'hui, je vais y aller doucement, puisqu'en fait, j'ai fait ma séance ce matin, et en rentrant, j'avais tellement mal au bras que j'ai jeté Roméo sur une place handicapée pour la mairie. Oh, le chien, il a un collier anti-aboiement, le chien, ça s'entend. Hein. Pas têtu, Clébard. Du coup, j'ai même pas pu rentrer Roméo tellement j'avais mal au bras. Donc j'ai dit à l'homme, il est en train de dépanner la salle de bain de la voisine. J'ai dit à l'homme, écoute, ça te dérangera de ranger. Vital. Les tracteurs s'y mettent. Ça va être bien ce matin. C'est pas du tout bruyant, tout va très bien. Alors hier, je vous ai pas tout filmé parce que je suis tombée en panne de. Ah, l'homme, il m'a enlevé les rails de chantier de la douche, là. Normalement, tac, 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 il y avait les rails, là, qui descendaient. Donc, il me les a tous mis au fond, parce que lui, c'est sa structure pour la suite. Mais il n'a pas pu enlever ça, parce que sinon, il faut qu'il démonte tout ce qu'il a fait. Donc, des fois, je me prends un peu les pieds dedans. Donc, je disais, je vous ai filmé une partie du pantalon Juniper. Et j'ai super bien avancé parce que l'homme est rentré vachement tard hier soir parce qu'il a dû aller sur un ancien chantier avec son patron pour dépanner un problème de scrigno. Et du coup, ben moi j'ai avancé sur mon pantalon de Juniper. Et du coup, je l'ai essayé et j'ai pas arrêté l'élastique. Bon, c'est pas grave. Donc, il est... J'aime beaucoup, je suis super contente, il va très très bien. J'ai fait, alors normalement, elle fait une surpiqûre là, moi j'ai pas voulu parce que, voilà. Et j'ai fait une sous-piqûre en fait, pour plaquer la poche. Et il y a juste la fausse braguette, je suis pas convaincue par l'utilité du truc.
Sachant qu'en plus j'ai eu la flemme de changer mon aiguille, j'ai pas mis d'aiguille pour truc stretch, donc du coup c'est pas nickel nickel. Mais bon, après les finitions à l'intérieur sont assez chouettes, donc les poches elles sont finies en couture anglaise, j'allais dire en coton anglaise. Mais oui, ça se loge, ça se loge. À l'intérieur, il est... Alors j'ai eu quelques petites merdouilles, mais honnêtement, j'avais pas envie de les refaire. Ah, c'est ça, j'ai entendu dire, ça va craquer. J'ai eu la pâte là qui... Alors normalement, elle se rentrait. Et j'ai eu clairement la flemme. Donc je me suis dit, c'est à l'intérieur, avec moi qui le vois. Mais du coup, j'ai le petit... là et puis là, qui sont venus mal se mettre à la couture. Mais bon, après, clairement, je m'en fiche. Et en fait, ce qui me plaît moyennement, c'est que la pâte, ils la font mettre comme ça, hein, la fausse pâte. Et qu'après, bah, du coup, ça plaque les coutures de la fourche d'un côté. Alors que pour le repassage, moi, j'aime bien quand c'est comme ça. C'est pas catastrophique, mais du coup, je me suis dit, oh, bah, si j'avais su... En fait, j'ai voulu suivre le pas à pas pour voir la qualité du pas à pas et si ça avait l'air aussi bien que ma première impression. Et effectivement, c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve que la qualité du patron est vraiment sympa. Après, il y a deux, trois trucs, je trouve, où ça manque peut-être de précision, comme c'est débutant, et où je me dis qu'un vrai débutant... pourrait se poser certaines questions à certaines étapes qui sont très claires mais qui manquent d'un petit plus à certains moments comme exemple je vais vous donner ça, je vous dévoile rien, c'est un montage de pantalon hein, donc a priori il n'y a pas de technique secrète ou oui, j'ai pas fait les passons non plus. C'est pas là. C'est cool. Ouais, à l'étape 7. Non, c'est pas l'étape 7, c'est l'étape 5. Ils vous disent de piquer les côtés pour assembler les jambes. Piquer les côtés et les entrejambes, endroit contre endroit. Piquer ensemble les devants et le dos de chaque jambe, aux côtés et aux coutures de l'entrejambe. Oui, surfiler sur plus de... Alors ça, pareil, j'ai pas fait. Moi, je surfile avant. Puis repasser, machin. Et ils disent pas, en fait, qu'il faut mettre une jambe dans l'autre après pour faire la fourche. Ils vous disent juste piquer la fourche. Alors, sur le schéma, ça se voit. Mais en fait, sur le schéma, on voit... Enfin, si on n'est pas... si c'est un premier pantalon... Bah, je me dis qu'on peut se poser la question. Alors, c'est clair, quand on sait, voilà, quand on sait, quand on a déjà cousu un pantalon, effectivement, sur les schémas, voilà, tout ça, c'est clair. Mais je me dis que juste une petite phrase en plus, ça aurait... Enfin, je me mets à la place de quelqu'un de débutant. Peut-être que une petite explication supplémentaire à ce moment-là aurait été bienvenue, je ne sais pas. J'ai craqué. Et j'ai fait toute ma couture à la main hier et puis en l'essayant, j'ai craqué parce que mes fesses sont trop grosses, n'est-ce pas? Et du coup... Non, en fait, c'est juste que j'y suis allée comme une bourrine pour l'enlever parce que... on avait commandé des pizzas, il fallait se dépêcher d'aller les chercher, comme il est arrivé en retard, machin, bref. Donc j'ai enlevé ça comme une brute. Et toute la délicatesse dont je sais faire preuve à certains moments, n'est-ce pas? Et donc, quand j'ai entendu le tac, ouh, il y a un fil qui a lâché, et bien c'est pas grave, on le refera. Donc, il me reste cet élastique à terminer de poser et les ourlets en bas, et j'aurai terminé mon pantalon. Ça fait tellement longtemps que je dois me le faire, et en fait, en soi, ouh. En soi, ça, c'est pas long, quoi. Il n'y a pas de braguette, il n'y a pas de partie super technique. Il n'y a pas de poche à l'arrière comme un jean. Il est vraiment très rapide à faire. Vous avez deux jambes devant, deux jambes dos, une ceinture, la braguette, la fausse braguette, vous n'êtes pas obligé de la faire. Même les poches, en fait, vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous pouvez redessiner... le patron
pour enlever la partie, en fait, hop. Vous pouvez décider d'enlever cette partie-là, juste bah, votre patron, vous le continuez, puis c'est tout. Le seul hic, c'est que avec mon voluptueux fessier, la fourche à l'arrière manque un peu de profondeur. Donc il faudra que je remonte un peu, parce que moi, du coup, ça me fait un V dans le dos. Sachant que c'est plus ou moins le genre de pantalon qu'on porte avec quelque chose à l'intérieur, pantalon cigarette, c'est quand même plus chouette. Donc, ça fera pas très joli. Je pense que je serai obligée de le porter avec quelque chose par-dessus, au final. Encore une fois, en soi, c'est pas catastrophique. À la base, c'était surtout pour tester le tissu. Alors, le tissu, donc c'est un tissu de chez Driesenstoffen. Il est suffisamment élastique. Alors, j'ai pas... C'est vrai que j'aurais pu vous dire. Je testerai l'élasticité, je vous dirai. Sur les chutes, elles sont en bas. Mais je prendrai une chute et je vous dirai le pourcentage d'élasticité. Je pense que ça peut vous intéresser. C'est... Voilà, il est bien pour le prix. J'ai rien à dire. À part que je me suis rendu compte en l'étalant. Et là, je pense que vous allez le voir. La partie, quand je l'ai mis à sécher, la partie qui était vers le haut, donc au soleil, c'est décoloré. Alors que je ne l'ai pas mis à sécher 10 heures sur mon pare-brise arrière. Pas du tout. Hein. Donc, je vais vous montrer. Je pense que la qualité de la teinture du vêtement dans le temps, ça ne sera pas fifou. Quoi. Alors, je fais mon nœud et je vous montre ça. Parce qu'en fait, on voit bien comme la ceinture, elle est coupée sur l'endroit à l'intérieur. Alors j'espère que vous allez voir la différence. Alors en soi, c'est pas grave. Je suis partie du fait que le tissu avait un envers à un endroit. Et c'est effectivement une décoloration puisque la décoloration n'était pas partie. Je fais sécher sur un étendoir, un haut là, à étage. Et en fait, toute la partie qui était au-dessus est décolorée et les parties qui pendaient en bas ne le sont pas. Donc, alors, nous sommes début d'après-midi. Gros coup de barre. J'accuse beaucoup le coup de ma séance de ce matin. Je pensais que ça me ferait du bien et que ça... Alors, ça fait du bien, c'est pas la question. Mais c'est que... J'ai super mal en fait. Du coup, je vais pas faire ce que je voulais faire parce que je vais pas pouvoir et que je vais pas travailler sur un nerf et des muscles qui ont mal. Faut pas faire ça, c'est une très très mauvaise idée. Quand j'étais en école hôtelière midi à la pause, on avait une salle de muscu, on pouvait aller à la salle de muscu. Parce que mine de rien, en fait, déjà, il faut être en bonne condition physique tout le temps. Mais il y a des métiers où il faut faire en plus du sport, de la musculation, ce genre de choses. Et pour le coup, j'ai appris pas mal de choses avec mon prof à l'époque. Notamment que ça ne sert à rien de travailler sur une courbature. Parce que ça m'est arrivé un jour, on se fait une déchirure. Et une déchirure musculaire... Mais si c'était dans la cuisse, je pouvais mettre mon doigt dans le muscle, là où il y avait de la déchirure. Donc, il ne faut pas faire. Donc du coup, je pense que le tricot, ça va être compliqué. Je voulais quand même vous parler de ce que je suis en train de faire, de ce que j'ai monté hier. Donc c'est le Fox, Doll Fox de la Woodland Collection de Ludiville. Rose et Pâle de Laine, qui a un podcast, qui a... Une boutique sur Ravelry, sur Makerist anglais, le français aussi, je crois. Bon, j'adore toujours ce qu'elle fait. Et du coup, ma grande avait flashé sur le renard. Et donc, je lui fais pour son calendrier de l'Avent. Et donc, j'ai commencé. Sauf que, bah, du coup, c'est juste commencé, quoi.
Sachant que ce week-end, je vais sûrement pas pouvoir y toucher puisqu'elle sera là. Donc, voilà. Voilà. Du coup, je vais terminer de coudre et j'ai une aiguille à ranger. Après, je vais me plaindre. Oh, j'ai pas toutes mes aiguilles à tricoter, je comprends pas. Bah oui, mais bon, si tu les ranges pas. Oula, je fais n'importe quoi. Tu t'es vu quand t'as pas bu? Du coup, voilà, la tablette, elle est allumée. Je vais me mettre. Donc, j'ai vu. Ça fait beaucoup de E, je suis désolée. Ça me lance en fait. J'ai vu que. Donc, Ludivine a sorti une nouvelle vidéo avec un petit cosy pour théière. Je voudrais ressortir ma grosse. Enfin, ma grosse. C'est, je crois, une 750 ml ou une 500. Bon, j'aurais bien aimé. Entamer la broderie, mais là clairement je vais pas pouvoir. Mais donc je voudrais regarder son podcast, vlog, celui de La Falaise aux petits pois. J'ai vu qu'elle avait sorti apparemment ce matin. Et Margeva, je crois aussi qu'elle en a sorti un. Hein. Si j'ai pas de bêtises, ou alors mon YouTube me ment et il me remet des vieilles vidéos en fait que j'ai déjà vues. C'est dans les suggestions, pardon, YouTube. Et donc je vais me mettre ça là, comme ça je vais coudre les boutons et finir mon pantalon. Et si en fait je peux rien faire d'autre que de la couture, je vais peut-être soit ressortir les culottes, soit les couper les leggings pour les filles. Enfin, mais du coup je continuerai en couture aujourd'hui parce que l'ordinateur du coup je peux pas. C'est en fait mon air qui est abîmé, il passe là et il passe là et je vous l'ai dit. Et bref, et du coup cette malléole là, je peux pas la poser avec la souris, c'est pas possible. Bah du coup les mises en ligne des prochains produits, ça devra attendre la semaine prochaine. Sachant que lundi j'ai encore une séance chez le kiné, j'ai deux séances par semaine. On verra, enfin, on va s'adapter, c'est pas catastrophique. Mais bon, c'est casse-pied parce que j'aime pas laisser des choses en suspens comme ça. En plus, je suis pas très très assidue sur Instagram et là, j'ai fait une petite vidéo pour montrer la nouvelle fiche produit pour les bonnets. Et puis bah, du coup, je peux pas les mettre. Toutes les photos sont faites, hein, mais au moins les photos sont faites. Toujours voir le verre à moitié plein. Donc c'est parti, on va faire les boutons, les pressions, comme ça j'espère que ma grande pourra mettre ça la semaine prochaine. Et puis, bah c'est déjà pas mal. J'ai terminé mon pantalon. C'est en demi-teinte. Hein. Alors attendez, parce que je me suis mis un retour caméra qui n'en est pas un, mais non, pour voir. C'est en demi-teinte parce que vous voyez, bah, le devant il est bien. Mais comme je me doutais, l'arrière en fait c'est trop grand. Alors, au niveau des hanches, c'est nickel. Et au niveau de la taille, bah, en fait par rapport à ma taille à moi, j'ai ça de trop quoi. Je sais pas si oui. Je sais pas si fait la mise au point. Ça a l'air. Je vais peut-être enlever le pull en même temps. Vous verrez mieux. Hop. Et donc, avec la super trace de culotte magnifique là. Le genre de culotte, il faut pas la taille ce genre de pantalon. Et ouais, du coup, j'ai tout ça de trop. Par rapport à ma taille. Sauf que du coup,
si je le fais en taille 36, ben mes fesses ça rentre plus. Je peux pas m'enfiler. Donc c'est soit je le porte, c'est pas joli, soit c'est un faux, ok, ça passe en taille normale. Au lieu de le porter en taille haute. De toute manière, ça finira comme ça, parce que je vais pas le reprendre celui-là. Et alors, en fait, abstraction de la marque de culotte, mais derrière ce qu'il donne. Et normalement, il se porte comme ça. Et en fait, comme en plus j'ai. Hop bah ça, ça me fait un V derrière, alors qu'en fait, ça devrait être comme ça. Ah, 15 ans 36. 15 ans 36. Je plaisante bien sûr, à 15 ans, j'avais pas ce fessier là. Donc je sais pas, est-ce que je m'en referai un et je mettrai une vraie braguette, et auquel cas j'enlèverai, je le retaillerai, donc sans la taille élastiquée, ou est-ce que pour 2 euros j'en ferai un autre, je chercherai un autre patron un peu plus adapté parce que je l'aime bien sans ça, il est sympa. J'avais peur que ça fasse effet. effet, comment dire. Période du mois. Avec le ventre tout gonflé, mais en fait, bon, ça va. Mais bon, voilà. C'est pas complètement. Sinon, j'ai terminé. Que ça par contre je peux vous montrer le manteau. Waouh, ah, il est pas jaune comme ça, faut pas exagérer non plus, même s'il est bien jaune. J'ai mis les faux boutons et les pressions pour la gamme. Celle-là, elle se met mal, ça gondole un peu. T'as du mal à faire mes au point, Alfred, aujourd'hui. Donc ça c'est déjà pas mal. Je vais vous remettre ça. Après, très honnêtement, j'ai pas le mojo à fond les ballons aujourd'hui. Donc je pense que je vais me contenter de ça. J'ai les talons, on pourrait se mettre grande. Je pense que je vais me contenter de ça pour aujourd'hui. J'ai au moins un pantalon en plus, de toute manière c'est l'hiver, donc je vais le porter. On va voir ce que ça donne. Il va bien avec mon rosier en plus. Bon, le souci aussi c'est les chaussures. C'est resserré en bas, mais pas suffisamment pour rentrer dans les bottines. Et peut-être que je l'élargirai. Après c'est plus important en cigarette, quoi. Voilà, donc avec un pull, ça passe, ça va, ça, on voit pas que ça. Bon, moi je vais avoir tout le temps envie de le remonter, mais. Ce que j'ai essayé avec élastique plus serré et ça grigne derrière, c'est vraiment déjà là. Hein. Déjà là, ça fait beaucoup en fait. Mais bon, en même temps, voilà, j'ai une taille de moins à la taille que. Enfin, j'avais dit XS normalement là et j'ai fait un S. Sachant qu'il y a de l'aisance positive. Donc forcément, il fallait pas s'attendre à ce que ça soit parfait, parfait. C'est déjà pas mal. J'ai fait mieux. Mais bon. Ouais, quand on a une morphologie, enfin, on a tous une morphologie différente, donc il faut savoir aussi s'adapter.
Alors, on a fait les décorations. On a fait les décorations d'Halloween. Pas dans le bon sens, dans ce sens-là. Je vais vous montrer un peu avec les filles. Donc, on a fait le salon, ce qui sert actuellement de salon. Ce matin, c'était activité cuisine avec des cookies banane flocons d'avoine. Voilà, hop, il y a un petit certain cœur, c'est pas très intéressant. Et l'homme a testé une recette sans recette de gâteau au chocolat et miel. Et apparemment, c'est bon. Alors, on a fait aussi une énorme récolte de noisettes hier.
Et en fait, cette nuit, il y a eu des vents, des rafales de vent à 80 km/h. Donc autant vous dire que demain, je peux en ramasser autant, mais voilà. Les noisettes du jardin. Et j'ai pas de casse-noisette. Donc maintenant, il faut que j'achète un casse-noisette. Alors, nous sommes lundi matin, le quelque chose d'octobre, début du mois d'octobre, 3, 4 octobre. Pour cette dernière journée, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait ce week-end. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé dans le jardin ce week-end. Tout le samedi, en fait, tout ça pour que j'avais tout nettoyé et qu'il y ait... On a eu 80 km/h de rafale et il y a un acacia dans la rue juste au-dessus et il m'a mis plein de branches, plein de feuilles partout. J'avais tout nettoyé. C'est comme ça. Mais je suis contente parce que il y avait un endroit dont je vous ai montré sur la vidéo. J'ai planté mon hibiscus qui était censé être un hibiscus qui reprenait pas d'une année sur l'autre, mais cette année il a décidé de reprendre. Et en fait, je suis tricotée pendant que je vous parle. Et en fait, il y avait des anciennes poutres qui étaient stockées là, une palette avec plein de tuiles, un énorme, je pense que c'est un récupérateur d'eau. Et enfin bref, plein de saleté quoi. Des anciens travaux, des anciens propriétaires. On habite une maison, c'est la maison hantée du village en fait. Tous ceux qui sont habités et qui ont habité ici sont morts dans la maison. Donc c'est charmant. Bref, du coup, ce qui fait que les travaux n'ont jamais été terminés, tout est resté en suspens en fait. Quand nous on a acheté, il y avait encore des mallettes d'outillage. L'outillage avait été volé dedans parce que la maison est restée quand même inhabitée. Enfin, les maisons, parce qu'il y en a deux. Enfin bon, bref, du coup tout était resté en suspens et voilà, il y avait des. Quand on est aux travaux, en travaux et qu'on va pas encore à la déchetterie, on entrepose là où on peut. Donc on avait emmené les poutres en bois il y a un mois déjà à la déchetterie. Parce qu'en fait ça attirait les frelons. Et puis aussi parce que c'était pas. C'était pas terrible. C'est une partie du jardin qu'on ne voit pas en fait de là où on habite, donc c'est vrai qu'on a tendance à moins s'en occuper. Ouh, j'espère que vous n'entendez pas, j'ai mon ventre qui fait des bruits horribles. Et du coup j'étais contente, mais alors j'ai retiré des pierres de là-dedans. Donc on a fait ça le samedi et hier. Ah oui, on a fait aussi, on a une petite, on l'appelle la guitoune à l'entrée. Et ça nous servait à entreposer les luges, les trottinettes des filles, tout ça. Puis au final, les filles rangeaient pas. C'était tout le temps de bazar. Et on a décidé de vider et d'en faire un espace pour les chats. Parce que quand j'ai déménagé, les chats n'étaient pas contents. Ils ont décidé de faire pipi partout dans la maison. Donc en fait, l'homme, il en a eu marre. Et il les faisait pas rentrer la journée. Et en fait, maintenant, ils ont l'habitude, ils dorment. Alors, ils dormaient déjà dans cet espace-là, c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire un espace que pour eux. Donc, on a récupéré, on avait une vieille échelle qui était atteinte pour réparer des anciens propriétaires. Donc, voilà, on l'a coupée. J'ai pas eu le droit de jouer avec la scie. Parce qu'il me disait, il a enlevé la sécurité de la scie. Donc, en fait, c'est une scie plongeante et elle plonge toute seule. Il n'y a plus d'arrêt, en fait, il n'y a plus de cran de sécurité. Cran de sûreté, cran de sûreté. Enfin bref. Et donc du coup on a fait ça. Le samedi matin ça a été ménage et tout. Ouais, dimanche matin c'était gâteau, comme d'habitude, tous les dimanches matin. Moi j'ai sorti toutes les décorations d'Halloween. Je sais pas dans le champ si vous voulez. On a sorti les décorations d'Halloween avec les filles. Et l'homme il a. Avancé, il a terminé la douche qu'il y a dans mon atelier, puisque le but c'est aussi d'en faire un studio, pour que le jour de la revente, ça soit un logement indépendant et que ça fasse vraiment une plus-value sur le lot immobilier. Donc, on a mangé qu'à 14h.
J'aime pas les dimanches comme ça où on mange tard. J'aime pas ça. Bref, l'après-midi, ça a été un repos total. Alors, on était censé faire un week-end off complet. Sauf qu'en fait, ça fait des semaines qu'on fait pas ça. On n'y arrive pas parce qu'il y a tellement de choses à faire dans la maison que c'est compliqué. Là, il dépanne la voisine qui s'est fait avoir en achetant la maison du dessus. Donc, il dépanne beaucoup la voisine. Du coup, voilà, y a pas vraiment de journée off en fait dans la semaine. Donc, comme vous l'aurez vu sur la vidéo, hier j'ai essayé d'alterner pour avoir pas trop mal. Donc j'ai fait, mais je vais en profiter pour vous montrer. J'ai terminé la tête. Oh, je l'ai rembourré un peu fort. Oh, il faisait noir, je voyais pas, je l'ai rembourré un peu fort. La tête de mon petit, enfin du renard de ma grande. Et alors, je suis super contente du rendu de la laine pour faire des doudous. Enfin, je savais déjà puisque j'avais fait un rôle de mais j'ai commencé une oreille. Je suis juste un peu embêtée parce qu'en fait, je tricote en 3,25 au lieu de 3,5. Et je suis contente d'avoir fait ce choix parce que j'avais peur qu'on voit la mousse à travers. Puis même là, en 3,25... J'aurais pu serrer un peu plus à certains endroits. Bref, c'est pas grave. De toute manière, c'est pour. Enfin, je sais que ma fille va un peu la martyriser, quoi. Elle va dormir avec, tout ça, donc elle va l'écraser joyeusement. Et j'ai pas d'aiguille double. Je croyais en avoir. J'ai pas d'aiguille double pointe en 3,25. Donc voilà, je sais pas, est-ce que je teste en Magic Loop, chose que j'aime pas faire du tout. Surtout que les bras et tout, ça va être vraiment des petites circonférences. Je sais que mon grossiste en fait, mais je vais pas faire une commande chez mon grossiste pour une paire de double pointes. D'ailleurs, il faudrait que je vous prépare un sondage pour savoir ce qui vous intéresserait. Donc j'ai deux grossistes, un pour les perles en pierre naturelle. Tout ce qui est ciseaux, accessoires de mercerie. Et j'en ai un autre qui fait aussi des ciseaux, des accessoires de mercerie. Qui fait des livres comme le livre de tricoter ses chaussettes, le livre de longue avec Anna, tout ça. Qui fait des accessoires de broderie. J'y ai trouvé, j'aimerais m'acheter pour rendre à ma mère son tambour là, qui suisse. Je voudrais m'en acheter un sous-cuisse. Et comme ça me permettrait de rendre celui-là à maman. Donc ils font ça, enfin voilà, ils font du tissu dashwood. Alors je voulais en acheter pour faire les doublures des sacs, il y en a qui sont magnifiques. Le seul problème c'est que c'est par 5 mètres. Et alors c'est un grossiste, donc le prix c'est beaucoup moins cher que d'aller l'acheter en mercerie. Sauf que, bah, qu'est-ce que je fais de 5 mètres quoi. C'est qu'au bout d'un moment vous en aurez marre de les voir. Donc voilà, enfin, il faudrait que je fasse une liste de ce qui pourrait être intéressant pour vous de retrouver dans la boutique et savoir du coup si ça vous intéresse vraiment ou pas, est-ce que ça vaut le coup. Il y a les kits Xiaogu, il y a, voilà, ça je vous en avais déjà parlé. Savoir si c'est vraiment intéressant pour vous en fait. Parce que si j'investis et que je ne les vends pas, c'est de la trésorerie perdue, c'est dommage. Donc, faudrait que je fasse un sondage pour connaître vos envies, vos besoins. Voilà. Ça, oui, j'ai. C'est un peu le pull de la honte. J'ai avancé mon arachné. Et alors, en fait, il me restait une répétition à faire que je n'ai pas faite. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'en avais ras-le-bol. Parce que clairement, je vous l'ai dit, hein, moi les jacquards où il y a autant de mailles entre chaque section, ça, j'aime pas ça. Ça me plaît vraiment pas. Donc, je le trouvais grand. Quand je l'ai essayé hier et je me suis dit, waouh, j'ai l'habitude de porter du XS en haut. Enfin, dire, si je vais à HM, je m'habille rayon enfant. Donc voilà, et là, honnêtement, oui, j'ai de la marge. Donc,
J'ai essayé, je me suis dit, ça passe. Même s'il est un petit peu grand, ça passe. Sauf que niveau yoke, il est déjà bien bas. Vous voyez, niveau yoke, je suis déjà en fait. Mon dessous de bras, il est là. Et je suis déjà 1 cm en dessous. Sachant qu'après avoir fait le motif, il faut faire encore 16 rangs de monocouleur, quoi. Donc je me suis dit, écoute, t'en as marre, bah arrête, fais pas le dernier, ne fais pas le dernier motif et passe directement à tes 16 rangs tout en l'essayant au fur et à mesure. Et en fait, je pense que j'ai pris la bonne décision. J'espère juste qu'il sera pas trop grand. Après, si c'est grand, et ben ça sera non plus loose pour dans la maison, mais. C'était pas le but. C'est le modèle Arachné de Andy Sutherland qui n'a plus ses patrons sur Ravelry, qui maintenant les a sur son site internet. Je suis dégoûtée parce qu'il y en a un que j'aurais bien aimé acheter. Mais du coup, maintenant, ils sont presque à 9$ ses patrons. C'était pas aussi cher avant à la montée ses prix. Sinon, j'ai avancé aussi, comme vous avez pu le voir. Le petit lapin pour ma nièce. Ma soeur m'a répondu pour les couleurs. Vous allez rien voir. Et donc, je vais faire. C'est de la Sunny de cheval blanc en gris et puis deux nuances de violet. J'ai commencé son petit pied. Et alors, moi, ce que je fais, pour éviter de perdre que le crochet, en fait, dans le sac, il s'en aille et perd ma maille, je l'accroche avec un progress keeper. Donc là, c'est un progress keeper de l'Halloween. Et ça me permet, comme ça, quand je reprends mon ouvrage, bah, j'ai juste à tirer dessus, je récupère ma maille. Voilà. Comme ça, je ne perds pas ma maille. Donc, c'est juste un pied pour le moment. Alors, j'ai une tête, un bout d'oreille. Un pied, on va peut-être réussir à faire quelque chose. Je vous ai pas ramené. C'est pas grave, je vous l'ai filmé hier. J'ai avancé mon point de croix aussi. Et je voulais en fait coudre hier. Désolée. Je voulais coudre hier et puis bon, au final, j'ai fait les décorations d'Halloween. En fait, il pleuvait des cordes, je vais laisser l'occasion, quand il pleut, de faire un truc un peu cocooning. Voilà. Même si c'est jamais facile de faire un truc comme ça avec les filles, parce qu'en fait elles sortent tout, elles écoutent rien. Il y a des trucs, je leur ai dit, bah ça on peut pas les mettre là, parce que Beetle elle va les piquer, elle va les manger, et puis en fait elles les installent et elles écoutent rien quoi. Donc c'est pas toujours un pur moment de plaisir en fait de faire ça avec les filles. Et du coup j'ai sacrifié mon moment couture pour ça. J'ai la médaille de la mère altruiste de l'année. Bref, c'est normal, hein, c'est ça le rôle d'une maman, c'est pas facile tous les jours. La Myosotis, c'est un patron que m'a donné Laurine, puisqu'en fait elle l'avait acheté pour que sa mère lui fasse, et sa mère lui a toujours pas fait, donc elle m'a ramené le tissu, elle m'a demandé si je pouvais lui faire, donc elle m'a, alors je vais pas la faire tout de suite, parce que c'est un tissu très léger d'été, donc je la ferai à la fin de l'hiver, et donc là je vais tester le patron, en la faisant. Il est même pas ouvert. Oh, j'aime bien ouvrir. C'est comme ouvrir les paquets cadeaux à Noël. Donc moi je vais me faire la version comme ça. Manche courte. Et sans le froufrou. Alors ils sont optimistes. Hein. Ils disent 2,50 m, mais bon, Direndo sont toujours hyper optimistes. Moi je trouve qu'ils gonflent quand même pas mal. C'est comme ça. Et je voudrais tenter de me la faire en jersey. Dans ce jersey-là que j'avais acheté l'hiver dernier chez Driesenstofen. Il faut donc que je décalque. Alors, j'ai regardé un peu et je trouve que c'est dommage, les gens quand ils font les robes... Enfin, les vêtements d'une manière générale sur Instagram, mais je pense que moi, la première, je ne le fais pas. Donc, je jette pas la pierre, hein, c'est juste un constat. Je pense qu'on oublie.
de dire bah voilà, je l'ai fait en telle taille. Et en fait, j'en ai trouvé des versions qui me plaisaient bien, mais comme en fait chez Dirindo, je suis toujours entre deux tailles. Le tour de poitrine pour moi ça serait le 34, sauf qu'en fait les emmanchures à chaque fois elles sont trop serrées. Et je vois sur la bleuet, il n'y a rien à faire, j'ai beau les reprendre. En fait, le reste de la robe ça va. Si je fais en 36, bon, du coup c'est juste que j'ai un petit peu d'aisance, mais je trouve toujours que les dessous de bras chez Dirindo sont très hauts en fait. Donc je sais pas, est-ce que. Je vais la faire en 34, parce que je la fais en 36. Sachant qu'à la base, c'est quand même une robe qui se porte un peu loose, c'est pas quelque chose qui se porte près du corps, donc. Ouais, je pense à un tour de taille 64, tour de hanche 4. Désolée, la carte mémoire était pleine. Donc, je disais tour de hanche, je m'en fiche de me caler dessus puisque c'est une robe évasée. Tour de taille 64. Ouais, je regarde. Non, je pense que je vais partir sur la 36. Ouais, enfin voilà. Et j'aimerais aussi couper les leggings pour les filles dans ce jersey tie-and-dye pareil de chez Dries Van Stoffen. Mais c'est pas pour tout de suite, puisque ça sera sûrement la semaine prochaine, enfin pour vous la semaine prochaine, pour moi demain. Déjà ce matin j'ai kiné et quitte à sortir, je vais aller faire des courses puisque j'ai récupéré le fameux truc récupérateur d'eau là et j'en ai fait un composteur pour mettre dans le jardin. Sauf que j'ai pas de petite poubelle, j'en avais une mais elle sert maintenant pour, enfin bref, elle sert pour autre chose. Donc il faut que j'aille chercher une petite poubelle pour mettre pour des sortes de compost. Et donc je vais aller à Jiffy. Poc Margeva, on verra avec quoi je reviens. Lieu de perdition. Jiffy en période d'Halloween, faut pas y aller. Enfin, je veux dire, si vous aimez Halloween et que vous n'avez pas de sous, n'y allez pas. Là là. Donc je vais faire ça ce matin. Et avant de faire ça, il faut que je fasse les retouches photos. Et quelques mises en ligne. Je me suis pas occupée du site internet depuis plusieurs jours. Alors ça s'est pas calmé le bras. Bon après c'est sûr que c'est pas en allant piocher le jardin que ça allait se calmer. Mais quoique ça me fait beaucoup moins mal que de tricoter. Ou de faire de l'ordinateur. Mais faut que je prenne un peu de temps pour faire ça. Et puis j'ai promis à la Mini d'aller la chercher au bus ce soir. Parce qu'en fait elle veut y aller toute seule. Donc c'est juste en bas de la rue. Elle veut y aller tout seul comme une grande et tout. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Sauf qu'en fait, j'ai appris que le soir, elle squatte les parents des autres pour se faire ramener. Donc, elle me dit, non, non, je veux pas que tu viennes me chercher, je rentre toute seule. Bah, en fait, elle rentre pas toute seule, elle rentre avec les parents de son chéri, Raphaël, la maman d'Alice. Ah, oui, elle habite juste au-dessus, tu sais, c'est sur le chemin pour elle. Donc moi je passe pour la mère qui est à la maison pendant que son enfant de 8 ans doit rentrer toute seule du bus. C'est formidable. J'adore ça. Donc je lui ai dit, écoute Minette, quand même, squatte pas trop les parents des autres, quoi. Et du coup, elle m'a demandé, hein. Ce matin, je lui ai dit, tu veux que je t'emmène? Elle me dit, non, mais je veux bien que tu viennes me chercher ce soir. Donc je vais la chercher ce soir. Dernier truc que je voulais vous parler, c'est cette chemise. Oh là là, oh mais c'est formidable. Bref. Oh, j'ai même un petit fil. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est un modèle que j'avais acheté sur Makerist avec une petite encolure comme ça, des empiècements devant avec quelques petites fronces. Et alors là, par contre, l'emmanchure, elle est formidable. Ça, c'est une emmanchure que j'adore, ça. Je me sens pas serrée. Je peux mettre un pull en dessous, ça ne me gêne pas. Le seul hic, c'est que, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si c'est parce que, au niveau taille, enfin pour moi, la taille, je pense que c'est, on est bon. Hein. Oui, j'ai fait dans un plumetis, ben, je crois que j'avais acheté chez Driessen. Ah non, peut-être Mondial Tissu. Voilà, au niveau de la taille, on est bien, vous voyez, hein. J'ai l'aisance des deux côtés, je suis très à l'aise, je peux, ouais, dans le dos,
Enfin, franchement, je suis super bien dedans, mais c'est juste, voilà, ce truc-là. Et je me suis dit, en fait, j'aurais peut-être pas dû mettre le bouton là. Et je me rappelle plus si c'est sur les instructions. Ouais, en fait, il faut juste que je mette le bouton plus haut. Alors, je peux pas rajouter un bouton maintenant, c'est fichu, parce que ça va pas être joli. Mais il faudrait que je regarde pour ajouter une petite pression. Et auquel cas... Assistant. Hop, assistant épingle. Ah ouais. Non. Alors, ce que c'est beau. Ah, c'est magique. Bon, bah du coup, celui-là est un peu mal placé. Alors, par contre, si je fais ça, ah, ça me resserre vachement. Ah, c'est pour ça que j'avais pas fait ça. C'est parce que du coup, ça me fait revenir les coutures sur le devant. Voilà. Hop. Ah bah oui, mais bon. Prendre les deux épaisseurs, mimine. Hop. Ouais, là, c'est un bon compromis, peut-être. En fait, au niveau de la... Je sais pas si vous voyez, parce que bon, le noir, c'est jamais très facile à montrer. Au niveau de la ligne, là, il faudrait que j'en mette une. Et auquel cas, ça voudrait dire que ce patron est validé et que je peux m'en refaire plusieurs. Parce que j'adore ce patron. C'est... Alors, le seul hic, c'est que les... comment dire, la planche patron n'était pas imprimée dans le bon ordre. Donc, en fait, il a fallu que je remonte. Il y avait toute une ligne qui était en bas au lieu d'être en haut. Et bon. Mais ça, je vous en reparlerai dans un épisode de podcast que je vais sûrement pas tarder à tourner parce qu'en fait, l'épisode de l'Halloween de l'année, j'essaierai de pas mettre d'araignée dessus pour les âmes sensibles. Le premier, je crois que c'était mon tout premier podcast, comme ça, qui était que j'avais fait à Halloween il y a 3 ans déjà. Ouh là là, ça rajeunit pas tout ça. Sinon, oui, un dernier truc, je voudrais vous en parler. Je voudrais terminer de valider. Donc du coup, je ne l'avais pas sorti cette année, puisque c'était trop tard, et ça me faisait sortir un patron de bonnet quand il ne faisait pas froid. Donc c'est un patron gratuit que je voulais mettre sur la boutique. Et j'ai eu quelques soucis dessus par rapport à ma qualité de laine. Qui du coup est très spécifique, donc je voudrais le refaire dans une autre et ainsi vérifier. Donc c'était pour la profondeur en fait, et soit modifier le patron, soit trouver une alternative pour vous indiquer de commencer les diminutions au bout de temps, de centimètres. Voilà. Et comme ça, je pourrais le valider définitivement et le mettre en ligne sur le blog. Parce qu'en fait, tout est prêt. Il y avait juste cette histoire de profondeur que j'ai retrouvée du coup chez plusieurs testeuses. Donc je me dis que voilà, sachant que c'est vraiment spécifique. Alors, c'est aussi pour ça qu'on prévient de faire l'échantillon aussi en hauteur. Alors pas parce que il faut absolument suivre la hauteur. Le plus important, c'est quand même la circonférence à largeur. Mais du coup, en hauteur, si vous savez que par exemple un échantillon vous demande 30 rangs et que vous n'en avez que 25, vous savez que sur une hauteur totale, vous ne devrez pas vous fier au nombre de rangs qu'on vous donnera, mais au nombre de centimètres. Si on vous dit, par exemple, faites des diminutions au bout de 20 rangs, soit 5 cm, vous fiez pas aux 20 rangs, fiez-vous aux 5 cm. Donc voilà, il faut que je trouve une manière déjà de vérifier que ce soit bien la laine qui a un échantillon particulier, et aussi de pouvoir adapter l'écriture du patron pour pas que vous ayez à défaire et à refaire, parce que du coup vous n'avez pas la bonne profondeur quoi. Et donc du coup je vous parle de ça parce que je voudrais le prendre. Il faut que je trouve une laine, et comme j'ai kiné, et ben je vais le prendre dans la salle d'attente du kiné. Alors, ça va sûrement faire rager d'ailleurs de me voir tricoter. Non, je sais, il est gentil. C'est que des jeunes dans le cabinet où je suis, ils sont super sympas, et en plus ils font du kiné entre guillemets moderne. C'est je vous l'ai déjà dit,
Ouais, c'est entre l'ostéo, la muscu. Voilà, c'est pas où vous y allez, vous faites 10 séances d'électrodes, et puis sur le moment ça passe, et puis 3 ans après, en fait, le problème est toujours là. Voilà, il vous accompagne pour vous expliquer au quotidien comment faire attention, tout ça. Bref, allez. D'accord, le chien. Je vais aller me mettre sur l'ordinateur pour travailler. Et après. Décollage. À plus tard. Alors, objectif est là. J'ai pris mon téléphone. Ça me permet d'avoir un retour pour la luminosité, tout ça. J'ai fait l'inventaire des tas de marqueurs, des progrès qui perdent. J'ai froid. Mais ça sur le genou. Comme les petites vieilles. Il me reste ça. Donc c'est de l'eau d'un eau. Oh, qui s'en mêle. Pour faire des bébés. Ou croquis. Vraiment bas à travailler. Là. Bref, on a de la bêtise. Donc j'en ai pas mal à prendre en photo, à mettre en ligne. Ça sera pas pour aujourd'hui parce que là je vais bientôt aller chercher la mini et je vais pas sortir le studio photo maintenant. C'est pas le moment. Ah, je vois. Oula. Oula. Oh, Jackson 5. N'importe quoi, cette tête. Et la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai fait les modifications des couleurs. Oh, je suis désolée. Oh, fatiguée. C'est soporifique l'ordinateur, en fait, c'est un effet. Et oui, donc j'ai fait les retouches photos, j'ai commencé la mise en ligne et là, je ne peux mettre que 15 photos. J'ai 21 couleurs. Donc je sais pas quoi faire. Je me dis que la solution, ça non plus, je ne sais pas si c'est possible de le faire. Je vais aller voir en même temps que je vous lis. Je suis désolée si vous avez un. Je vais couper le son. J'ai mes enceintes qui grésillent. Alors. Alors, si je fais ça. Ouh, ça croustille. Faire le kiné ce matin quand il me dit ça va, je dis ouais, ça croustille. Il connaissait pas. Chez moi, les os, ils croustillent. Si je fais ça, qu'après je vais sur kit. En fait, alors s'il veut bien me faire la mise au point, ça me ferait avoir. Donc là maintenant, le site est comme ça. Hop, on va directement le kit. Donc on arrive là. Ça me ferait avoir le patron. Un autre article, les 50 grammes. Un autre article, les 20 grammes. Un autre article, les 5 grammes. Ça me plaît pas. Je voulais avoir tout sous le même, en fait. Donc, attendez. Donc, je sais pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait plus. Voilà. Avec mon beau Stormtrooper qui s'est pris plein de toiles d'araignée. En même temps, j'ai pas 15 milliards de solutions. Parce qu'en fait, je peux mettre. J'ai pu mettre toutes les. Comment on appelle ça? Toutes les options différentes. Donc, les trois options de poids et les 22 options de couleur. Donc, ce qui fait 22 fois 3, techniquement, mais pas complètement, parce qu'il y a certaines couleurs que je n'ai pas dans certains grammages. J'ai pu faire l'inventaire pour toutes, mais je ne peux pas mettre des photos pour chaque, en fait. Et en soi, si je mettais que les couleurs sur des cakes de 50 grammes, ça ne me poserait pas trop de problèmes. Ou alors, je fais. Une photo,
ou alors je fais un montage et je mets des numéros en dessous. Ah, mais c'est qu'après, je sais pas comment lier les. Si, sinon je fais ça. Je fais des couleurs qui se ressemblent pas du tout. J'en mets 4 par photo. Et je connecte. Oui, je connecte. Ça me chagrine. C'est moi qui kikine. Je vais voir avec, je vais en parler avec l'homme ce soir, histoire d'avoir un regard un peu objectif là-dessus. Et je sais à qui je vais envoyer un message, mais je ne sais pas comment expliquer ça par. Oh, par message. Petit double menton qui va bien. Bon, en même temps, tout le monde vient double menton quand il fait ça. Hein. Je ne m'auto-flagelle pas. Eh bien, on n'est pas sorti de la berge. Hein. Oh, faut que j'arrête de regarder. Oui, c'est là qu'il faut regarder. Là. Ouais, c'est ça. Eh bien, à mon avis, on va se quitter là-dessus pour aujourd'hui, puisque j'ai reçu une notification. Puisque je vais aller chercher la mini dans une bonne demi-heure. Je vais avancer, je vais essayer d'avancer un peu. C'est marrant. D'habitude, je me trouve vilaine. Là, sur ce retour caméra-là, il doit y avoir un filtre pour la tête. J'ai remarqué, j'ai pris des photos l'autre jour, et en fait, d'habitude en hiver, on ne voit pas mes taches de rousseur. Et là, c'était la fiesta sur la photo que j'ai prise. C'est le téléphone qui veut être votre ami et vous rend jolie. Donc, je vais monter les mailles avec cette laine qui est la laine. C'est la Flo? Floppy de chez Mondial Tissu. Ah tiens, ça va être à l'envers. Faudra que je mette. Bah non, moi je le vois bien à l'endroit. Pourquoi l'écriture est à l'envers? Je regarderai sur le montage, sinon j'inverserai l'image. Donc c'est de la floppy de Mondial Tissu. Et elle mètre 62 mètres. J'en ai deux pelotes. Et l'échantillon, il est. Il est tout bon. En même temps, je vous montre ça. J'arrête pas de vous dire que c'est à l'envers. Ça sert à rien que je vous montre. Donc, je vais faire ça. J'ai une relecture que je vais faire en même temps. Et je vais laisser ça de côté. Je vais enregistrer tel quel actuellement. De toute manière, il n'est pas visible sur le site internet pour le moment, l'article. Et je vois avec l'homme ce qu'il en pense. Je vous demanderai bien votre avis, mais d'ici est-ce que vous puissiez me répondre à. Bon, après, si j'ai pas trouvé la solution, hein, si quelqu'un travaille sous Wix et que vous avez la solution. Ou une idée, parce que des fois, même quand on ne connaît pas, une idée peut déjà être bonne, tout court, ou en faire germer une autre, donc il faut pas hésiter à donner des idées comme ça. Mais alors, autant ils améliorent tous les ans, par contre, ça je trouve ça bien, c'est une plateforme qui améliore quand même très régulièrement la qualité de ce qu'ils nous permettent de faire. Il y a pas mal de fonctionnalités pardon, régulièrement. Pardon, désolé, je reçois des trucs en même temps. Pour le coup, je trouve que là-dessus, ils se débrouillent vraiment pas mal.
J'ai hésité à teindre parce que j'avais mal au bras, mais j'aurais mieux fait teindre. Pas grave, je ferai ma teinture demain parce que en plus il va faire beau là, normalement le reste de la semaine, donc ça me permettra de mettre à sécher dehors. Là, je suis prête pour l'Halloween. Ah, je suis désolée, je suis fatiguée. enfin, surtout, je suis un peu dépitée par ce truc-là. Je m'étais dit, ouais, une fois que les retouches photos sont faites, c'est nickel. Hop, 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 les pécholos. Peut-être salade de saison et on y va, mais non. Pas de salade de saison. Il y a du schmilblick. C'est comme ça. C'est les aléas de travailler par internet. D'ailleurs, il y a un local à Issoire qui est disponible. Alors, je sais que je pourrais pas me le payer maintenant, mais l'objectif, c'est que d'ici un ou 2 ans, je puisse me prendre un local. Parce que travailler à la maison, c'est bien, mais pas top. Et puis, pour aussi avoir ce côté de la vente en direct est plus facile en fait. Après, ça ne m'empêchera pas de continuer à avoir le site internet. Hein, c'est pas. Mais bon, disons que pour tous les jours. Ouf, j'ai froid. C'est mon Agatha de Andy Sutherland que j'ai fait l'année dernière. C'est de la Bergère de France et je crois que c'est la qualité sport. J'ai toujours pas rasé, il faudrait que je le rase. Vous voyez ou pas? J'attrape tout, c'est du noir. J'attrape tout ce qui bouge avec. Ah, vous me voyez un gros plan. Ah là là. Donc il faudrait que je le rase parce que, et honnêtement, je trouve vraiment que cette laine est très très agréable. Je crois qu'il y a de l'acrylique dedans. Et moi qui supporte pas l'acrylique en temps normal, ben, franchement, cette laine-là, aucun problème, quoi. J'en suis vraiment très très contente. Allez, je vais essayer d'avancer le tricot. Il faut que je sorte le patron. Enfin, je ne vais pas l'imprimer. Hein. Je vais. Faut que je le télécharge. En fait, il est sur mon drive. Parce que quand j'avais fait. Ça vous intéresse pas. Mais quand j'avais fait le. Mais je vous le dis quand même. J'avais. Je vais y arriver, hein. Vous inquiétez pas, revenez dans 5 minutes, j'aurai réussi à formater mon ordinateur. Et donc j'avais tout sauvegardé sur mon Google Drive qui est plein à craquer. Il faut que j'arrête ça. Il faut que je remette un peu dans mon ordinateur. Et il faut que je trouve le moyen d'archiver, mon disque dur étant fichu, il faut que je trouve le moyen d'archiver tous les patrons une fois qu'ils sont sortis, mais de quand même les garder parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y a un erratum et de devoir ressortir le patron pour le refaire. Là, la dernière fois, le bonnet lunaria, j'ai dû le ressortir parce que je sais pas ce qui s'était passé, il y a eu un problème de mise en page et j'ai dû le refaire entièrement. Mais il n'y a qu'à moi que ça. Enfin, bon, il n'y a peut-être pas qu'à moi que ça arrive, mais j'ai beaucoup de chance avec l'informatique. Allez, c'est parti. Chez le patron. Et comme ça, on va voir si. Moi, je trouve que c'est un bon exercice de ne pas sortir ses patrons tout de suite et de les retricoter après. Comme ça, vous vous rendez compte si vous savez vous relire et vous retricoter derrière ou pas. Nous sommes mardi. J'espère que ce format vous dérange pas. C'est plus pratique pour moi quand je suis au bureau. J'ai terminé. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Mélise m'a envoyé le livre de la boxe. Donc je l'ai relu, tout ça, tout ça. On est en train de discuter sur ce qu'il faudrait éventuellement rajouter, tout ça, tout ça.
Et bah, il est déjà 11 h. Voilà. Je suis tombée sur d'autres trucs, mais je ne vous parlerai pas ici, parce que ça n'a rien à voir. Hein. C'est plus une question d'actualité. Et je m'auto-censure sur plein de trucs, parce que j'ai pas envie de m'en prendre plein la tronche. Hein. Donc bref, du coup, ça m'a pris hein, aussi, juste pour dire que ça m'a pris aussi du temps de me renseigner, de regarder les choses. Et c'est pas réconfortant. Clairement, où va le monde? On se marche clairement sur la tête, c'est du grand n'importe quoi. Bref, j'ai. Waouh, ça pète! Alors, c'est pas autant que ça en vrai. Je pense que c'est parce que j'ai ma lumière. Oui, voilà. On y est plus. Donc, je suis en train de refaire le bonnet. Passiflore. Et je suis bientôt à la fin de ma. Je vois plus rien. Je remets la lumière, je suis désolée. Je vais essayer de me mettre comme ça, vous n'avez pas de reflet. J'arrive à la fin de ma première pelote pour faire toutes les côtes. Donc j'espère avoir assez pour terminer le bonnet. On verra bien. A priori, je pense que oui, les côtes, ça mange pas mal quand même. Et puis, je vais dans une demi-heure chercher la mini à l'école. Et puis, bah, cet après-midi, faut que je fasse le montage. Et la mise en ligne. Sachant que j'espère qu'aujourd'hui ça sera un petit peu plus stable parce qu'en fait hier on a une antenne suite au je vais pas dire aux dernières tempêtes parce qu'en fait maintenant il y en a il y a des vents violents tous les 4 matins voilà, bref c'est pas rassurant pour le reste non plus il y a tellement de choses pas rassurantes. Mais oh, je suis désolée, j'arrête pas de faire ça. Mais oh, j'avais plus de. Normalement, je mets pas de soutien-gorge. Je mets des petits débardeurs en coton sous mes chemises pour pas avoir froid. Et là, ils sont tous à laver. Et du coup, j'ai mis un soutien-gorge pour pas avoir froid. Mais alors, qu'est-ce que ça me gêne? C'est très glamour chez moi. C'est la période de l'année où il y a toujours des soutiens-gorge qui traînent un peu partout parce qu'au bout d'un moment dans la journée, j'en ai tellement marre que je finis par les enlever et les poser là où je suis. Enfin bref, par l'enlever parce que je ne les mets pas deux par deux, on est bien d'accord. Mais donc je disais. Bah, je sais plus. Les vents violents, tout ça, tout ça. Et oui, on a. Il y a certains endroits où elle est un peu grosse, donc je la détore et hop. Comme ça me permet d'avoir. Un fil un peu plus constant. Je disais donc qu'on a une antenne qui a été abîmée et depuis c'était l'enfer même, ne serait-ce que pour appeler, ça coupait tout le temps, c'était vraiment la galère. Et donc là apparemment, SFR est intervenu, donc je pense que c'est eux qui ont dû avoir des réclamations. Ils sont intervenus sur l'antenne. Et donc j'espère que ça sera plus stable parce que c'est la galère sinon pour mettre en ligne en fait. Ça coupe tout le temps, c'est. Voilà. Sachant que la fibre passe au bord du village, mais elle ne s'est pas arrêtée ici. Hein, donc c'est quand même bien dommage. Moi je leur ai bien invité à prendre un petit café. Mais non. Ouais. Donc du coup, j'espère que ça sera mis en ligne ce soir. On verra. A priori, ça devrait. S'ils ont réussi à réparer la stabilité de la connexion, ça devrait. Sinon, aujourd'hui, je porte mon gilet flûte. Alors, il s'appelle pas flûte, hein, mais... Oh, c'est le... Attendez, je vais vous dire ça. Je vais aller sur Ravelry. C'est un modèle d'Helen Magnusson que j'avais déjà fait en version pull. Et donc là, je l'ai fait l'année dernière en version gilet.
Le film Fort Walls, voilà, avec mon accent merveilleux. J'ai toujours pas mis de bouton depuis l'année dernière. Parce que je trouve pas de jolis boutons. Alors je me dis que sinon, je vais peut-être juste, en attendant, mettre des petites agrafes comme des agrafes de soutien-gorge, quoi, en dessous. Je sais pas. Mais j'aimerais bien lui trouver des jolis boutons, mais ceux que j'ai en boutique sont trop petits pour aller sur ce genre d'ouvrage. La maille est trop grosse, c'est tricoté en 4, 4,5. Et donc c'est de la lettre-lopi, et moi je la porte à même la peau. Je sais pas. C'est rigolo parce qu'on parle de. Je regarde mon sous-bras en même temps, j'ai. On parlait avec Mélisse de la laine de pays. Et ouais, c'est vrai qu'autant au tout début où j'ai commencé à tricoter de la laine, il m'a fallu. Je pense qu'il a dû me falloir un petit temps d'adaptation. Et je crois que j'ai commencé par la lettre Lopi. C'est mon premier. Donc l'autre, il est principalement en naturel. Et cette couleur-là est une couleur un peu bleu canard pour la partie du yoke. Et au début, je crois que je le portais avec quelque chose en dessous, le temps de m'habituer. Et puis au final, je me mettrais toute nue dedans, que ça ne me gênerait pas. Bon, là, je peux pas parce que j'aurais un peu froid. Mais bref, faut pas chercher. Du coup, bah, c'est tout. Je crois que j'avais rien d'autre à vous dire pour cette semaine qui se termine. Je porte mon. Alors ça, c'est une chemise Mélilo que j'ai cousue il y a des années. Et j'ai mis mon pantalon à. Hop. Mon juniper. Que j'ai cousu, vous avez vu, cette semaine. Alors, il est grand. Hein. Il est trop grand. Excusez-moi. Il est trop grand. Je l'ai fait donc en 36. Le problème, c'est que je ne peux pas le faire dans la taille en dessous, puisque mes fesses ne rentrent pas dedans. Et je peux pas l'enfiler par la tête, c'est un pantalon. Du coup, j'aimerais même le refaire parce que, par contre, je le trouve vraiment, il est hyper confortable. Le tissu est très chouette à porter. Mais voilà, faudrait juste que je le modifie pour faire une vraie braguette pour pouvoir passer les hanches et être ajusté à ma taille, parce que sinon ça bourre. En fait, je pouvais pas mettre plus d'élastique derrière, sinon après ça fait trop de plis, c'est pas joli. Et puis bah c'est tout, je crois, ce que je voulais vous dire. J'essaierai à l'occasion, si j'ai le temps, je vous promets pas tout de suite, de faire des petites vidéos. Oh, c'est perturbant, ce truc. Incluse dans les vlogs ou dans les podcasts. Je pense pas que je ferai ça à part. Pour vous montrer les techniques pour quand on change de fil. Enfin, en tout cas celles que moi j'utilise. Pour quand on change de fil, pour les rayures. Pour avoir des jonctions entre les rayures. Qui grignent pas, en fait. Qui soit bien élastique, en hauteur. Bon, c'est pas des techniques, hein, c'est plus un peu. C'est Joe la bidouille, quoi. voilà, bah sur ce, je peux pas l'essayer, mes aiguilles sont trop petites. Je peux pas. Ah si, je peux vite fait vous montrer. Ouh, ça pète sur les cheveux noirs. Oui, je sais pas, je vous l'ai dit. En même temps, vous l'avez vu, hein, forcément, vous n'êtes pas aveugle. J'ai fait ma couleur d'hiver. L'été, c'est rouge, l'hiver, c'est noir. C'est n'importe quoi. Allez, je vous laisse. Et on se retrouve eh ben, la semaine prochaine pour vous. Et puis, bah, pour moi. Peut-être cet après-midi, si j'ai des choses intéressantes à faire et à vous montrer. Et oui, du coup, si
Je vais voir pour l'histoire des kits Lunaria. Pour éventuellement faire des montages photos et rassembler plusieurs coloris sur le même, sur la même photo tout en mettant des numéros. Je vais essayer de faire ça, donc ça ne me demande pas beaucoup de montage photo, mais ça me demande quand même de faire un peu de montage photo. Je pense que je ne vais pas me prendre la tête, je vais faire ça sous Canva. C'est très très bien Canva, ça vous permet de faire des fiches produits, des photos, des publications. Voilà, je trouve ça très bien. Et parce que je crois pas pouvoir faire ça directement sous Wix. Faut que je regarde, ça se trouve, je m'y suis pas intéressée puisque jusque-là j'en ai pas eu le besoin, mais peut-être que on peut faire ça. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.